hier, dans le marais non loin du stade, le corps d'un homme a été retrouvé gisant dans le fossé. Une pierre tachée de sang retrouvée à quelques mètres de la victime pourrait être l'arme du crime. Aucune piste n'est encore envisagée quant à l'identité du meurtrier. Les autorités conseillent donc une vigilance maximale. Ce meurtre sanglant témoigne d'une hausse de l'insécurité plus forte que jamais dans tout le pays. Notre région est la plus touchée de France par ce genre de violence, déclare le maire de la commune. Point présent sur les sports. Recherché après la découverte macabre du corps d'un homme retrouvé dans le marais, le crâne fracassé par une pierre. Exclusivement, nous vous dévoilons quelques éléments du portrait robot de ce qui serait le premier suspect sérieux de l'enquête. Âgé de 30 à 40 ans, cheveux bruns, 1m90, l'homme en question transportait avec lui un sac noir lorsqu'il a été aperçu ce matin sur les lieux du crime. Rien ne permet encore de supposer qu'il s'agit du meurtrier. De 400 000 cambriolages ont eu lieu l'année dernière en France. Je pense que nous allons vers des troubles, que je pense que nous allons vers des moments très violents, parce que c'est exactement ce qui se passe déjà. Mais c'est vrai que tous ces Français qui sont touchés par ces violations, et on l'a constaté, on les a entendus hier, prônent un peu l'autodéfense de la bombe lacrymo aux armes de poing.
D'abord, le point sur les titres. Hier, dans le marais non loin du stade, le corps d'un homme a été retrouvé gisant dans le fossé. Une pierre tachée de sang retrouvée à quelques mètres de la ville.